Et bonjour, de retour à Bourg-en-Bresse. Alors, où en étions-nous? Bon, du coup, aujourd'hui, ouais, on va s'occuper un peu de tout ce qui est en dehors de la périphérie. On va gérer notre nos demandes. On va mieux gérer nos demandes, à savoir de bureaux, etc. Parce que là, en fait, on commence à avoir une population assez conséquente. Et de ce fait-là, il y en a pas mal qui commencent à être instruits. Et du coup, forcément, on se retrouve avec des besoins de. Attendez, c'est très stylé ça. On se retrouve avec des besoins en bureau, etc. assez enfin, plus importants. Donc voilà. On va voir ce que ça donne, mais. J'aimerais bien que ça se développe après. Je vous montrerai, mais. Alors, hop. Je mets le stream. Voilà. Du coup, ouais, voilà. Moi, je disais, j'aimerais bien que ça se développe ici, là, la zone avec. Enfin, la zone ici, le quartier résidentiel à densité haute. Même là, c'est un peu. Il y a des trous, quoi, à certains endroits. Bon. Ça va se développer hein, petit à petit, mais bon, c'est vrai que là, pour le moment, c'est pas dingue encore. Ici aussi, là, je sais pas trop ce qui s'est passé. Hein. Je verrai plus tard. Et regardez, je trouvais c'était super stylé parce que nous on a foutu le casino ici, là, le Centrum Casino. Il y a deux bâtiments qui sont arrivés, Gigastore et Gigastore. Deux Gigastore à côté, je trouve ça génial. Ça rend trop bien. Alors là, on arrive, c'est badass quoi. C'est pas tout à fait droit, mais. Donc pour rappel, hier, ouais, qu'est-ce qu'on a fait? On a développé cette zone de bureau. On a rajouté une jonction ici pour essayer de fluidifier un peu le trafic. Attendez, qu'est-ce qui se passe là ici? Ah oui! Politique. Ah oui, d'accord, ça c'est par rapport au stade en fait. Quartier de la Weed. Donc on a développé cet endroit avec donc ce gratte-ciel en bâtiment unique, la tour du DAB. On a une agence de renseignement, le centre de nanotechnologie. Donc voilà, et notamment là, regardez, quel bordel! Là, c'est la fin du match, hein. Le stade qui se vide. On a gagné notre premier match, hein. Le FC Bourg-en-Bresse contre Rockdale. C'était gagné. Ça a été efficace, hein. Donc, et tout le monde là qui sort, ça génère du bouchon, mais bon, voilà. Donc aujourd'hui, on va essayer de continuer là, ce petit carré ici, et on va se développer par là. On verra ensuite ce qu'on y fera, mais. Ouais, tranquillement, quoi. Tranquillement, voilà. Ici, là, ça c'est normal. On va voir ce que ça donne. Et je rappelle qu'on avait rajouté ce pont. Hier. Petit pont, voilà. Posé pour. C'est le pont de J4K. J qui a fait un don hier. Donc voilà, un pont à son nom. Et faudra qu'on s'occupe de ce rond-point. Il y a moyen de faire un beau petit truc ici. Là j'ai foutu le commissariat et enfin le truc de flic et de pompier là, mais c'est pas viable hein, parce que après pour qu'ils reviennent faut qu'ils fassent ici paf qu'ils repartent là, enfin non ils peuvent même pas donc c'est pas pratique quoi. Donc il faudra que je les bouge hein. Je les ai foutus là pour le moment mais ils seront ailleurs par la suite quoi. D'ailleurs, on va tout de suite regarder. Hop. Bah voilà, parfait. On va mettre ça ici et ça ici. Bam. Voilà, j'avais également un truc à regarder là. En termes de zone. D'accord. D'accord. J'aime pas ça, c'est pas beau. Donc, vous voyez, on a une grande demande d'industrie et de bureaux. Et une exigence de commercial. Une exigence commerciale. Donc là, clairement, on va faire les bureaux ici, hein. C'est vrai qu'après, vous voyez, je garde des espaces un peu plus grands pour pouvoir faire des bâtiments un peu spéciaux. Après,
Ouais, ici, on va faire ça, hein. Et puis là aussi, on va continuer les zones commerciales denses. Là, on va faire ça, mais pas là, par contre. Parce que là, j'aimerais bien y mettre un bâtiment peut-être un peu plus spécial. À voir. On a, avec le match, on peut s'acheter un bâtiment. Donc, on va voir ce que ça donne. Alors, petit bâtiment unique, ça peut être sympa. Bon, même si j'en ai pas des masses, là, pour le moment, mais... Bon, la statue de la prospérité, c'est pas dingue, quoi. Ça pourrait être stylé au milieu du rond-point. Hein. Je sais pas si, du coup, la statue... On a une statue... la statue de la liberté, mais je trouve pas ça très RP, quoi. La fontaine de la vie et de la mort. Ça, c'est... Ça donne envie, quoi. Le poumon de la ville. Ça me donne envie, quoi. Ça, j'aime bien. Ça peut être pas mal d'avoir ça ici. Ça rajoute un parc au milieu. Vas-y. C'est parti. Ça nous coûte 55 000. Ok, on regarde ce qu'on a d'autre, hein, de toute façon. Ah oui, bon, on a le centre des expos. Qui aurait pu être pas mal, hein, ici. Ouais. Mais le centre des expos, vous voyez, là, on peut faire un truc. Parce qu'après, ici, là, j'aimerais bien faire un petit chemin le long de la mer. Peut-être même sur l'eau. Du coup, ça peut être sympa d'avoir le centre des expos, là, ici. Hop, on va le foutre là. Voilà. Parfait. On pourra foutre, on pourrait remettre un casino, mais j'en vois pas trop l'utilité. Et une station de télé. C'est vrai que ce serait cool d'avoir une station de télé aussi. On développera ce truc là de télé, etc. plus tard. Ouh, ça j'aime bien. Ah mais voilà, parfait, on va les foutre ici les deux là. Lui et lui, hop, ici et là. Voilà. Là, notre truc de télé. On peut le mettre là, mais je sais pas, je me tâte encore. Regardez, là je reconnais que ça me donne envie. On va se faire un petit truc comme ça, voilà. Oh, parfait. Par contre, j'ai pas pris du tout les bonnes routes, mais... Voilà. Eh, c'est pas beau ça? Un institut de robotique. Là, on a vraiment un quartier de... assez sympa. Je sais pas si c'est une bonne idée d'avoir foutu le stade ici, mais bon. Du coup, là... Thème de circulation, on a toujours notre axe principal qui est pas mal engorgé, mais bon, ça reste ok. Hein. Oui, voilà, il y a du monde avec moi. Il y a le chat et madame. Prochain match, le 1-6-2024. Bon, on a le temps, hein. On a le temps. Et donc, je disais, voilà, la demande en bureau, en commerce. On va foutre tout ça ici. Pof. Tac. Là, on va continuer les commerces. Vous demandez peut-être pourquoi des fois... Ah, salut Mud. Ah oui, bah, entre poumon de la vie et fontaine de la mort, désolé, j'avais pas vu ton commentaire. Oui, ça change. Quand tu sais que là, tu vois, ça donne beaucoup, ça donne envie. Bon, ça fait un peu quand même cabane de chasseurs dans la forêt, quoi. Mais bon, on dirait qu'il y a un camping improvisé à l'intérieur. Mais bon, écoute. Et des fois, ouais, je dézone les zones, les petits trucs, voilà, comme ça, là, il y a un petit... bus qui traîne là, ça je dézone parce que ça fait des petits bâtiments tout moches. J'ai pas envie que ça reste que ce soit tout moche, donc voilà, tout simplement quoi.
C'est juste pour ça, quoi. Pas d'autre raison. Ça là, ouais, ça, je trouve pas ça dingue, quoi. Je me fiche de perdre un peu de trucs, je préfère que ça reste beau et puis. Mud. Mud. Est-ce que je te connaîtrais pas, Mud? Par hasard. Voilà, ou quoi que, non, 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 ici je vais pas mettre ça là. On va essayer de développer autre chose là. Mais bon. Il faut surtout des zones commerciales. Alors, en zone commerçante, serait... Ouais, ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. Mais si quoi? J'ai pas de drop de frame, donc normalement je devrais pas avoir trop de lag. De latence. What is that? Ah bah oui, bah je suppose que tu es Elise. Bah oui, voilà. Voilà. Mud, Mud, c'est quoi ce nom? Enfin, c'est quoi ce nom? Ne le prends pas mal. C'est juste que Mud avec 3... 4 U. Bien! Ok, pas mal. Et là, putain, je suis vraiment trop content, quoi. On a les deux tours... Ah, c'est trop stylé, quoi. Ouais, ici ça peut vraiment pas se développer. On perd des gens! Ah là là! Est-ce que les marchandises là, il y a un truc qui se passe? Je peux pas voir les connexions entrantes et sortantes, c'est où? Ah, ok. D'accord. Export, import, export. D'accord, donc ça pour l'instant ça ne me sert à rien, quoi. Fonctionne normalement. Ok. C'est pas grave. Faudra faire un... Donc on a géré notre demande, faudra faire un petit tour en termes. Bon, électricité, on est bien. C'est quoi ça? Ah oui, une ferme à vagues, c'est vrai. En termes d'eau. C'est pas dingue là au niveau de l'eau. C'est pas dingue au niveau de l'eau, va falloir qu'on revoie ça, ouais. Ouais. Carrément même. Le chauffage, on est bon. Les déchets. Alors, les déchets, les déchets. On a un petit souci par là, quoi. En fait, j'ai pas envie. Parce que ça pollue vachement, les déchets, quand même. Du coup, j'ai pas envie de foutre ça. Et ça pollue aussi un centre de. Ah, bêté. Je parlais d'électricité. Je vais mettre le budget à 100% comme ça. On sera... Ouais, j'essaierai de te voler ton skin du marché noir sur Rocket League. Ouais. Mais d'ailleurs, tu sais, c'est rigolo parce que j'ai joué un peu à RL tout à l'heure et je me suis fait la réflexion de... d'un truc, c'est qu'en fait, moi, vu que je l'ai eu avec un décrypteur, mon truc du marché noir, bah, en fait, on peut pas me l'échanger. Donc je pourrais jamais me faire carotte mon truc du marché noir. Plutôt cool. Ouais, ils ont de l'eau. Ça aussi, il faut le bouger parce que... Oh là là, ça fait du bruit, ça, non? Ah ouais, ça fait grave de bruit. Hors des limites de la ville. Coût de transfert 2400. Happy birthday. Oui, ah bah oui, ah bon bah oui, tout ce qu'on a avec les décrypteurs, c'est inéchangeable. Voilà,
termes de pollution sonore, ça va. Bon, même si le stade. Mais bon, on n'est pas dans une zone de résidentielle, donc pas trop gênant. Pas trop gênant. La zone résidentielle, c'est là. Les axes. Ça va, ça reste assez calme hein, quand même. Enfin, ça reste correct. Là-bas, par contre. Oh là là. Oh là 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 là. Bon. Donc, je disais, en termes de déchets, on a un problème, quoi. On a un gros problème de déchets. Qu'est-ce qu'ils disent? Le bâtiment fonctionne normalement. Non, c'est lui. Pas assez de clients. Bah. Ah, la demande résidentielle réaugmente petit à petit. Mais vu que j'ai déjà des zones, voilà, ça va se développer. Petit bâtiment ici, là. Et eux, ils sont heureux, tu vois, d'habiter là. Ah, voilà, un petit bâtiment, là, dans l'impasse. Je crois qu'on a l'impasse du DAB, quelque part. Elle est où? L'impasse du DAB. C'est bruyant, hein, dans l'impasse du DAB. Hein. Wouhou! C'est bruyant. Qu'est-ce qu'ils se disent? Quelle bonne idée de dépenser de l'argent pour entraîner les jeunes joueurs de foot. Notre équipe va en bénéficier. Subvention jeunesse. Mais ouais, est-ce qu'on a le FC Bourg-en-Bresse, quoi? Prochain match dans un an. On n'est pas arrivé. Ça va se développer petit à petit. Ouais, donc en termes de déchets, je disais, je suis dans la merde. Les soins. Vous voyez qu'il n'y a aucun truc de santé dans le coin. Là. Oh là là. Je peux pas foutre ça là. Oh, ça c'est beau. Tada! Hop, un petit truc de santé, voilà, ça ne fait pas de mal. Alors, les incinérateurs, c'est important. Ça ne pollue pas, c'est pas gênant d'avoir des incinérateurs et tout. C'est bon pour la santé, quoi. Là. Ouais, c'est bien. Faut gérer nos morts, hein. Petite zone résidentielle, j'ai juste pété E. Voilà. Un sauna, ça peut être cool. Ça peut être cool pour que les gens viennent se relaxer. Côté du parc, là. Faut que le sauna, ici. Ça va faire du bien, là. Ils sont... Les gens sont contents, ça augmente le... On va en foutre un de l'autre côté de la ville. Alors là, je sais qu'on a... Ouais, voilà. Oh, parfait. À côté du jardin botanique. On a la piscine municipale, ça peut être pas mal, puisque je sais qu'on a collège et lycée là dans le coin. Donc ça, c'est l'école. On a le collège là. École, collège. On a l'université qui est ici. Collège, c'est plutôt correct. Hein. En termes là, en termes de place, on est bien. On est bien. On est bien. Du coup, c'est vrai qu'une piscine municipale à côté des écoles, ça semble legit, quoi. Jardin yoga. Ça, qui s'en fout, lève la main, quoi. Alors, une petite caserne de pompiers. Et ouais, parce que... Faut pas déconner, quoi. Les pompiers, voilà. On a du blé, là. Alors, une prison. Est-ce qu'on a une prison? Je n'ai pas de prison. Ça coûte cher une prison, non? Pollution sonore 100. Ah ouais, d'accord, c'est vraiment... Alors, il se passe un truc par là. Je ne sais pas trop ce que c'est. On va regarder après. Carnet quartier pénitentiaire. Je sais pas si c'est intéressant, parce qu'en termes... Non, on a encore largement la place, pas très utile. Va falloir vraiment que je développe tout ça. Un dépôt de bus à biocarburant. C'est génial! Et ça coûte... C'est beaucoup mieux. Il y a un peu de pollution sonore, mais... Oh, vas-y, moi je mets ça direct, quoi. Un dépôt de bus à biocarburant, quoi. Faudrait que je me fasse une zone... Là, j'ai mon dépôt de bus, mon dépôt de taxi, mais... Et après, on pourra gérer... Alors, on peut faire du tram aussi.
Et du métro. Le métro, c'est pas mal parce que c'est moins chiant. Ça fait moins de bouchons, quoi. Tram, c'est le level au-dessus. Station de taxi. On va se foutre une station de taxi quelque part, là. Non, là, c'est naze. Il y a le centre des expos ici, et bah, paf! Je sais pas trop où je vais le foutre lui. Je vais en remettre un dernier. Ouais. Les commerces là en front de mer, ils sont pas très beaux. Hein. Oh! Enfin. Alors oui, je disais, il y a un truc, il se passe quelque chose là. Manque de service. Ah, d'accord. Ouais, ils se sentent un peu délaissés, quoi. C'est vrai que on les oublie un peu. On va leur foutre des services. On va foutre tout là. Boum. Hop. On gère également les morts. La polizei, c'est bon. Pompier, pardon, je veux dire. Police. À une prison, donc pour réhabiliter les gens. Bon, ok. On va se mettre la prison. Voilà. Manque de service, écoute. Je pense qu'ils aimeraient bien avoir peut-être une ligne de taxi, ces mecs. Regardez ça, là. Comme ça donne envie, là. Peut tomber à l'eau à tout moment en attendant son taxi. C'est de toute beauté, quoi. Et c'est vrai qu'il nous faudrait une ligne de bus qui vienne jusqu'ici, ouais. Hop. Allez, c'est vrai qu'il faudrait que j'ai le truc pour gérer la couleur des lignes. Parce qu'en fait, bus, eux, ils font ligne bleue, mais c'est vrai que c'est un peu chiant après, tu te retrouves pas. Comment sous ma ligne? Terminer la ligne. Ouais, ils sont contents. Et ils voudraient peut-être un parc, tu vois. Un petit parc, allez. Pour le fun. À côté des déchets et tout, ça donne envie, quoi. Je trouve ça super plaisant, moi. Ok, là, on a la décharge qui est vide. Et ben, une décharge vide égale. Voilà. Hop. Du coup, là, c'est pollué. Et donc, moi, je propose qu'on foute un parc. Voilà. Youpi! Je sais pas pourquoi, hein, mais. S'ils en veulent un, on leur donne. Voilà. Toujours à moins 9. Plus 2. C'est revenu. Ça remonte. Et là, ici, j'ai un petit truc là, j'ai un trou au milieu. Je vais mettre des rochers. Ah, je suis déçu. Hop.
là autour du stade, carrément qu'on met des arbres centenaires, quoi. Puis là, on peut avoir des beaux petits arbres fleuris, là. On peut faire des trucs sympas, quand même, hein. Ouais, c'est stylé ce bâtiment. Institut des arts créatifs. C'est style une université, tu vois. Ça, c'est tous les gens qui viennent de L. Représente les L. Bon, là, on est bien là. En termes de santé, de crématorium, de. Genre, eux sont moyen contents quand même. Eh ben, le FC Bourg-en-Bresse, Perona, on a gagné le premier match. Le prochain match, c'est le 1er juin 2024, donc c'est dans 8 mois. Là, ils s'entraînent, ouais, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de matchs. Hein. Mais ils s'entraînent, et donc, bah, pour le moment, ça se passe, quoi. Ça nous a rapporté pas mal de thunes. On est content, on est content. Et en effet, ça pourrait être cool d'avoir une autre petite clinique là dans le coin. Une clinique où qu'on va la foutre, me direz-vous. Je vais vous répondre pareil, où qu'on va la foutre. Là. Voilà. Désolé. Non mais c'est bien d'avoir une clinique. Ouais, nice, tu vois, genre... Puis après, là, on augmentera peut-être un peu le prix des billets, parce qu'on a gagné, donc on va augmenter de 1 dollar. Sachant que pour le moment, ça me coûte quand même un peu la... pas mal de thunes. Et regarde, je disais, 100K, truc de ouf. J'avais posé le casino ici, et là, j'avais juste mis des commerces. Et en fait, c'est les deux mêmes bâtiments qui ont poussé à côté du casino. Et je trouve ça rend tellement bien. Genre quand t'as l'avenue là comme ça au bout tu vois les deux. Ouais en distance il est un peu dégueu mais. Je trouve que ça rend trop bien. Les deux qui sont. La nuit ça rend encore c'est encore mieux quoi. Toujours des bouchons hein, ici. Là. Mais en soi ça va, je suis content par rapport à la population qu'on a, c'est pas mal. On perd des gens. On perd des gens. Je ne sais pourquoi, je ne sais pas. Eux, je pense qu'ils aimeraient bien avoir un truc un peu plus accessible, quoi. C'est Tsubé, bien sûr. Tout le monde sait qu'il faut être souple des ischio-jambiers, quoi. Et on ne le répète pas assez, je pense. Ah, ça fait un peu chier de foutre ça là, quoi. Je sais pas, un parc qui peut prendre plus de place. Parc pour chien, peut-être un parc arboré, il est un peu grand. Ouais. Bourg Perona. On connaît pas le score, ça c'est le seul truc qui est un peu dommage, c'est vrai qu'on connaît pas le score du coup du. Voilà. Ouais, parce que là du coup ils sont vachement plus heureux les gens, c'est mieux. Et là, j'aimerais bien mettre un parc, mais... Waouh. La taille du machin, quoi. Voilà. Ouais. Le baron de la pègre est sympa. Très.
Non, on sait pas le score, tu vois. On sait qu'on a gagné. Mais on sait pas combien. Bon, c'est dommage, mais bon. Non, on est bien, on est bien, on est bien. Petit parc et tout. Les gens, ils sont heureux là, chez nous. Bonheur résidentiel 93. C'est quoi ça? Ils sont pas heureux, hein? Pourquoi? Bon, bah, ils sont pas heureux. Et commercial, ouais, ok, c'est Msoké. Pas heureux, lui. Ah, ça y est. La valeur foncière, ça, c'est intéressant. Donc là où c'est vert, c'est que ça prend de la valeur, tu vois. Là où c'est bleu, c'est moyen bof. Genre là, près du stade, c'est bof, ça fait du bruit. Beaucoup, beaucoup de bruit. Et là, on peut voir, ici, là. Eh, ils sont heureux, les gens, près du quartier de la Win. Le petit cimetière posé. Là, c'est stylé, on a un truc qui ressemble à quelque chose. 4-0 selon les organisateurs, 1-0 selon la police. Et ouais. Ça se développe un peu là ici. Mais c'est pas la folie. C'est bizarre. Des fois j'ai l'impression que ça se dézone. Chelou. Alors là, cette passerelle, elle a tellement de succès quoi. Je sais pas s'il y a des gens qui vont là-bas. J'ai continué la passerelle tout du long là. Et après elle descend ici. Elle donne sur une autoroute, tu vois. Je sais que c'est pas la meilleure solution, tu vois. Il y a des bobos, là, ça je sais pas, tu vois. C'est un peu le Vietnam pour le moment. J'aimerais bien quand même, j'aimerais bien finir ce rond-point là et puis voir aussi ce qu'on fait dans celui-ci. Mais là c'est efficace, hein, ça tourne, ça tourne. Ah, besoin résidentiel. Un besoin résidentiel. Hop. Tac. Je sais pas. Des hipsters. Ah oui, bah on a le quartier de la weed, donc forcément il y a des hipsters. Tu vois. Alors si on se met en vue, stop, tiens, toi là. Olivier Miller, adulte de classe moyenne. Tu vois, ou eux là sur un banc là, je suis sûr. Thomas Phillips, jeune adulte bien instruit, non, lui, il peut pas. Adulte très instruit. Qui fume de la chicha? Faut trouver la personne perdue dans le. Il y a de... Ils discutent là, c'est. C'est confort là, les deux là. On note quand même qu'il y a le sosie de la personne assise au même endroit, même place quoi. Et ben pour le moment, ouais, je sais pas, mais c'est vrai que Cristiano Ronaldo, on en a entendu parler. Et tous ces gens qui attendent le bus. Ah là là. Sans emploi, rentre à la maison quoi. Il y en a pas mal qui sont sans emploi ici. Bah et alors? Seniors bien instruits. On n'a pas de travail pour les seniors. Et j'ai l'impression que tous nos seniors, ils sont sans emploi. Est-ce que sans emploi chez eux veut dire à la retraite? On va falloir continuer les routes là parce qu'on arrive à une limite franche. On a de la thune, on perd toujours des gens, hein. C'est compliqué ça. Écoutez. Comme on a un peu de thune, hop, on va se permettre un petit terraforming.
Niveler. Clic. Voilà. Donc on veut quelle hauteur, non? On veut toujours la même hauteur, quoi. On rétrécit du coup un peu la rivière, ça va nous faire encore un petit tsunami. Ronalda. On n'a pas encore le budget pour Ronaldo. C'est le mauvais sosie. La mauvaise copie de Cristiano Ronaldo. Cristiana Ronalda. Femme de Cristina Cordula. Quoi, c'était nul? Attends, on est en train de juger mes blagues là derrière. C'est nul de quoi? Mais non, elle était pas nulle. Ne juge pas, fais un stream toi. C'est comme Ronaldo, mais en gaucher. Gaucher ou gauchiste? Attention. Parce que le Ronaldo ne passe pas son argent dans des paradis fiscaux. Note la différence, hein. On est heureux de le savoir, quoi. Voilà. Déjà un peu plus joli. Un peu plus joli. On va se faire une légère courbe. Et eh ben là, c'est la beauté. Ah non, zut. Je suis allé un peu loin. Bah c'est... Oui. C'est Ronaldo, quoi. Bientôt, il deviendra Ronaldo et puis... On verra ce que ça donnera, quoi. Mais... Donc là, ouais, je suis en train de faire du terraforming. Hein. C'est rien, vraiment rien du tout d'amusant, là. Le fun est égal à zéro. Mais bon, il le faut. Et on va faire des canaux aussi. On va faire des canaux, ils ont rajouté ça, donc on va en profiter. C'est cool de pouvoir manipuler un peu l'eau. Donc ça va être cool. Oh, et c'est le dab de Cristiano Ronaldo dans la surface de réparation. Je vois tellement là. Oh là là, ça serait génial quoi. Encore une fois, une action magnifique de la part de Cristiano Ronaldo. Eh, petit truc du littoral, sympa, hein, devant le caca là. Et donc, moi je voulais vous dire, les gars, j'aurais bien fait genre un petit canal, ici un canal comme ça, et tout ça ici entouré sur des canaux.
Je trouve ça, ce serait fun. Ce serait fun. Canot profond. Fait un petit paf. Oh là, c'est de toute beauté quoi. Prochain match, ouais, d'accord. Je t'attends. C'est quoi cette histoire de pente trop inclinée là? Bon, on doit encore terraformer. Petite hop. Terraform. Hein. Moi je... Je sais pas comment ça fonctionne. Voilà, ça c'est bon, on fout la route. Alors je reconnais que c'est pas très bon. FCBPC, FCBBZ. T'es con putain. Pas le plus beau pont qu'on ait vu, mais c'est un pont. Et là, on met play. Et là, donc, on va avoir du tsunami, là. Hein. Moi, je vous l'annonce. Ça va secouer. Ici, là, le trou, quoi. Et là, blablabla, ça va se remplir. Non, mais c'est cool. Là, ici, on va changer l'intersection. On va en faire une double. Je sais pas si j'ai ça. Est-ce que j'ai ça en stock? Ça va être ça. Hein. Ça va être ça. Hein. À 100%. C'est de toute beauté, ça. Ça va niquer un peu ce qu'il y a là-bas, mais... En vrai, ça va, hein. Allez. Faudra faire ça après, quoi. J'ai pas trop envie pour le moment, là. On va voir. Et donc, naturellement, on veut des commerces. On veut du commerce.
grazing off the lush vegetation of the time. Their mere existence transformed the landscape and made a lasting impact on our world. It's that legacy that manque de lumière par là, je trouve. Et c'est vrai que ça pourrait être cool d'avoir... J'ai foutu un dépôt de bus biocarburant. Donc on a 25 bus, ça c'est cool. Tu vois. Et oui, il manque de gens. Il manque de gens. Je suis sûr, il y a des gens qui voudront vivre à côté de leur boulot. Tac. Je sais pas si ça leur dira. Oh, un tronc. Allez. Manque d'employés, quoi. Alors ouais, là. Les deux parties d'eau se sont rejointes. Actuellement, ça crée donc ceci. A tsunami. Et là, t'as tout le monde qui est en train de se... Alors, on note quand même les voitures. Yeah! C'est génial. Piscine géante, quoi. Ah! Ah là, je suis... Oh non, il y a tout le caca qui part là-dedans. Heureusement, j'ai l'impression que c'est en pente et du coup que c'est limité. Mais là, du coup, on a un problème. On a un... Houston, we got a problem. Est-ce que je peux pas foutre une digue là en attendant? Impossible de construire sur l'eau, merde. C'est quoi ça? Un quai? Oh, ils ont fait ça? Ah oui, c'est bien vu ça. Mais alors ça? Mais alors ça, c'est dingue. La tour du DAP 2, le retour, là, mec. Oh là là. Arrêtez! Et ça, j'aime. Hein. Ça, j'aime, là, ce qu'on peut faire ici. On peut faire paf. Et là, oh là 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 là, trop cool. Et ça, c'est cool, ça. Putain, ça va rendre trop bien. Je vais faire ça tout le littoral. Tout le long, là. Ah, j'ai découvert des trucs. Là. Eh, look. Ça a de la gueule, hein. Bon, pendant ce temps... On a un problème, là, de route. Également ici. Ah, du coup, ça a niqué les lignes de bus. Eh oui. Oh, le bus a disparu. On a un problème. Et il faut le dire, là, on a un gros problème parce qu'on a tout le caca crotte qui se barre. Donc, va falloir qu'on fasse autre chose.
Je vais. Je peux pas les détruire si. Traitement des eaux usées, il nous faut 340 000 mètres cubes par semaine. Donc il nous en faut deux comme ça. Bon, pour le moment, on va foutre ça ici. Boum, boum. Paf, tac, tac. Et il nous en faut une troisième aussi. Comme ça, on est sûr. Voilà. Là, on va démolir ça. Ça, 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 voilà. Tac, tac. Voilà. Et là, on devrait être bon en termes d'eau. Usine... Ah non, ça draine. Ça fait quoi? Ah d'accord, ok. Heureusement qu'on a du budget, hein. Ouh. Et on a des petites éoliennes là qui attendent que ça. Et ben voilà, regarde, des gens qui vivent proche de chez eux. Enfin, proche de, de chez eux. Voilà. Parce que là, du coup, on a la pollution dans le canal. Ici, il faut que ça revienne, en fait, là. Et ouais. Ah oh, bah du coup, là, il y a plein de maisons abandonnées. Oh mon dieu, quelle idée. On peut pas drainer l'eau? On n'a pas genre une éponge? Je fais un trou là. Ouais. Ben en fait, je sais pas si je peux foutre, si je... mais si je fais une butte de terre, en fait, je vais bloquer toute l'eau qui sera là, qui sera à gauche. Par contre, je peux faire ça. Hop. Yeah.
C'était pas une bonne idée. Oublier, hop. Voilà, on répartit l'eau. On vide, du coup ça a créé une plage. Voilà, voilà. Bah, en fait, le canal ici, il est en profondeur maximale déjà. Oh, les thugs! Bah ouais, bah là, ils sont... Regarde! Oh là là, ils vont se... Blablabla. Oh là là. Oh là là! Ils tombent tous dans le canal! Ah, c'est génial. Enfin... Ah, attendez une seconde. Hop. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la ville? Bon, on a évacué la plupart de l'eau. Il en reste un peu ici, mais... Ah ouais, là, comment perdre 1000 habitants en une seconde? Complètement, quoi. S'il fait nuit là, du coup on voit plus rien. Oh. Main got. Est-ce qu'on peut faire des canaux profonds souterrains? Ça c'est dommage ça. Non, il run, il y a re de l'eau. Mais c'est pas normal. J'ai agrandi le canal exprès. Oh là 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 là. Ah bah là, on est verni quoi. C'est dangereux de jouer avec de l'eau. Ah là ici ça se calme, c'est bon. Là ça se calme. Ici c'est bon, là ça va se remplir. On va avoir un retour de vague en fait. Bon. Ça semble ok. Du coup, ils ont une plage en bas de chez eux. Merveilleux. Ah, merveilleux, merveilleux, merveilleux. Du coup, voilà. On regagne du piperon. Donc là, il y a ce canal ici. Qu'il va falloir détruire à un moment. Je ne sais pas comment. Où est-ce qu'on va mettre toute cette eau? Là, il y a un creux. Avoir le retour. Ce que je peux faire, c'est une digue. Ah, oui. Ouais, ça peut être pas mal. Mais bon, du coup, là, ça fait un peu château fort, hein, je vous l'accorde. Mais c'est temporaire. Ah, oh, ben c'est génial. Il suffit de mettre de l'eau dans un canal. Et de détruire le canal. Et c'est pas du tout une bonne idée. L'eau ressort. Oh. C'était... Oh putain de merde. Non mais regarde. Putain. On peut pas faire plus haut la digue. Bon bah... Ah c'est horrible comment je vais gérer ce problème quoi. Bon là cette eau elle peut s'en aller j'allais dire vers le lac mais non pas du tout. Bon, la digue a quand même limité les dégâts, hein, parce que vu la quantité d'eau qu'il y avait... Catastrophe, man.
Ouais, non, ça a quand même limité, ça a limité. Par contre, ici, on a de l'eau qui est bloquée dedans. Je peux pas... Ouais, je peux peut-être faire un trou, tu vas me dire. Là. Je prends une énorme truc. Merde. En cas, t'avais la bonne idée dès le départ, toi. Voilà. Ouais, mais c'est, je l'ai. Attends, je suis sympa, je les laisse respirer quand même. Ah, du coup, voilà quoi, on a de la terre. Enfin, on a un trou là. Bon, du coup, cette digue ici. Alors, regarde la technique. Regarde la technique, je te montre. Technique man. Je fais ça. Là, je détruis ce bout de digue. L'eau va s'y engouffrer. Hop. Va aller dans le canal. L'eau du canal va se répartir là-bas. Je suis en train de... Eh, n'empêche, ma demande résidentielle a explosé. Pourtant, j'ai perdu que 1000 habitants. Et du coup, tu vas voir, là, je vais être blindé de thunes. Donc j'aime bien ce qu'ils font quand même des travaux de là où il y a de l'eau. Les déchets s'accumulent, bah ouais mais mec. Camion poubelle quoi. Allez, il reste encore un petit peu d'eau. C'est léger. Eh. On est bien là. C'est un tout petit peu. Ici. Nickel. Maintenant, je refous ma digue. Et là, on va détruire petit à petit. Ça. L'eau, là, elle va sortir. Blablabla. Du coup, on a créé un lac. Il est beaucoup moins beau que celui-là. C'est vraiment le trou. Mais bon. C'est bon, ça reprend là. Là, on est bien. Eh, pas mal. Regardez, look at this. Boum, boum. Et hop. Regarde comment ça va se construire là. Wouhou. Là, on est en train de gérer l'eau d'une manière, mais incroyable.
Comment ça, on repère des gens? Bon, on le gère d'une manière incroyablement chelou. En fait, ce que je trouve chelou, c'est qu'ici, le niveau, il est très bas. Tu vois? Et là, le niveau, il est assez haut, quand même. Et la digue, elle rend super, je trouve. Le seul truc qui est chiant, c'est qu'il faut attendre que ça s'équilibre et tout avant, là. Oh là là. C'est bon. Allez hop. Petit lac artificiel avec station balnéaire où tu peux venir te détendre et te recueillir sur les restes de papy qui a eu la mauvaise idée d'aller voir l'inauguration du bar. Non, je voulais ce lac là ici, je voulais en faire justement un quartier un peu plus chic. Mais ouais, là. Est-ce qu'on est des oufs? Moi je dis qu'on peut être des oufs là, genre non? Il y a encore toute cette eau là qui se promène ici qui est... Je sais pas, franchement là, oh là là. Bon écoute, pourquoi pas un immeuble, hein, écoute, ça va. Ouais, c'est juste que là ils sont plus petits. Il est stylé celui-là. La boutique des boutiques. Et d'ailleurs, je crois qu'on peut faire des barrages aussi en plus. Bon, écoute, la ville est protégée par des digues temporaires. Manque d'employés, bah. Et... Vous travaillez dans une zone polluée, c'est bien. Et là, il y a des gens qui habitent là. Voilà. Ils sont heureux, ces gens. On va leur foutre des petits commerces là, ici. Hop. Bam. Ah mais eux là ils sont confort, ils vivent dans la zone Indus. C'est un peu les Romanichels de Bourg-en-Bresse. Quoi? Ah, il s'est passé un truc, ils sont contents. Voilà. Et que demande le peuple? Alors c'est pollué à côté, mais peu importe. Ici c'est inondé, mais c'est le Nocker, hein, quoi. Attends, voyons ce que ça donne. Par exemple cette Jeep. Merde. On va prendre, voilà, une Jeep. On se met dedans. Regardez. Le mec, il voit ça devant lui, quoi. Il voit de l'eau là. Non mais non, ils ont de l'eau jusqu'à la fenêtre quoi. Serein. Ouais, why not hein. Why not. Vraiment, hein, y a un trou ici. Bloop. Et donc, attends, on va me dire que comme il y a un trou, toute l'eau se stack ici. Ouais, ouais. Le marché va... Mais bien sûr que ça va exploser, mais bon, c'est vrai que... J'ai l'impression que si le niveau descend... Putain, mais c'est un truc de ouf là, le genre le niveau de l'eau ici. Ça bloque quoi. On a un problème. Je pense que c'est un problème de niveau. Vraiment, genre. Ouais.
Salut, iCloze. iCloze. Ah là là, non mais c'est une catastrophe là, cette eau. J'ai voulu faire genre, ouais, on va faire des canaux et tout. Ça va être trop stylé. Pas du tout. En fait, c'est stylé quand c'est maîtrisé, quoi. Mais là, c'est pas maîtrisé. C'est la catastrophe. Oh là là là. Donc là, on se débrouille pour mettre tout à niveau. Ah, Close, ça vient pas d'un jeu vidéo ce nom d'ailleurs. Close. Ça me dit un truc. Et ouais, non mais putain. Là ça va nous coûter bonbon, mais ça va, j'ai envie de vous dire, on est blindé. On est blindé. Bon, en soi. Close production. Ah ouais? Ou c'est un jeu de mots? Salut, salut, copinou. Nous faut la même hauteur partout. Allez, hop là, ici, voilà. Tac. Allez. On finit ce bout là et on va regarder ce qui se passe avec nos canaux. C'est pas normal hein, ce qui s'est passé quand même. Alors, je sais pas si ça influe vraiment en fait, tu vois. Ah oui, voilà, c'était Gus Production. C'est bien ce qui me semblait. Enfin, il me semblait que tu faisais un jeu de mots avec Gus Close. Et du coup, ensuite, ouais, on n'arrive pas à dépasser les 27 000. 27 000 personnes. On a du mal. Écoute. Voilà, alors, donc ouais, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Ici, c'est vachement en hauteur. Donc. Adieu. Là, ça va être extrêmement violent parce que tu as toute l'eau qui va ressortir. Donc il est très important de... terraformer en fait toute la zone du canal. 27 is the new black. Oh là là, c'est relou. Il nous faut absolument ce canal. Il y a des trucs, après ce que j'ai vu, il y avait des super assets. Alors j'ai dit ok qu'on jouait Vanilla. Mais en termes de mode, etc. Mais c'est vrai que il y a des assets qui peuvent être sympas. Et d'ailleurs, si vous trouvez des assets, vous pouvez me les partager. Soit direct dans sur le live, soit. Sur comment ça s'appelle?
l'espace commentaire sur les rediffs sur la chaîne YouTube. Ok, maintenant on reprend ça. On fait donc ça. Et voilà, notre OE était déjà là. On a un truc, c'est plus sympa. C'est à peu près au même niveau partout maintenant. C'est mieux. Je remets play, mais attention, qu'est-ce qui va se passer, quoi. C'est mouvementé. J'ai pas fini mon petit bout de chocolat. Barre chocolatée avec du biscuit. Nous ne citerons pas la marque. Merci Sanka d'avoir linké le lien de la chaîne. Merci Anonymette pour le follow. Ça fait plaisir. N'Anonymette. Alors, bon, non, c'est très pollué, hein. Je sais pas ce que c'est, je crois que c'est le soleil qui nous fait ça. Ou alors il y a du brouillard, il fait 12 degrés. Pas de brouillard normalement. Ici ils ont besoin de gens. Mais je vous ai fourni des gens là. Ils ont qu'à venir habiter là et puis voilà. Ils déménagent et c'est tout. Bon, eh, j'ai l'impression que ça se stabilise. On est pas mal. Là, il y a une légère différence de terrain. Ici. C'est là, là. Oui. Oula. Oula. Ça s'excite, là. Ça s'excite. Merde. Bon, oh, ça va le faire. En fait, j'ai l'impression que c'est vraiment... C'est juste ici qu'il y a un trou. Vraiment super chelou quoi. Il y a un trou là. Je sais ce que vous allez dire. Attention. Voilà, et... Mais non, c'est pas ça en fait que je veux faire. Pas trop en effet. Voilà. Je suis corpo de ouf. T'es le meilleur modérateur sans gars. Bien, donc on a ce trou d'eau hein, qu'il va falloir gérer à un moment ou à un autre. Je ne sais pas quand, mais à un moment. Eh, est-ce que ça fait pas centre-ville, là? On voit bien la forme, quand même, du carré central. Et autour, quoi. Les bureaux. Alors, ils veulent du commerce, hein. C'est un truc de ouf. Ici, ça m'énerve qu'il n'y ait rien. Je vais foutre des arbres. Ça m'énerve qu'il n'y ait pas d'arbres. Il n'y a pas des arbres géants. C'est bien ça. Je sais qu'on peut faire des petits massifs fleuris aussi. Et on va foutre des petits rochers. Genre, c'est un peu gros ça. Oh merde! Bon bah. Je suis sûr qu'il avait pas payé le loyer. Et petite forêt de bambou. Voilà. Ça fait un peu mieux quand même. Ok, 26 612 personnes sur dans la ville. On est pas mal.
On est pas mal. Ça tweet, hein. Bonjour à tous. Mes enfants sont candidats pour rejoindre le programme d'entraînement. Est-ce que quelqu'un a parlé de l'inondation? Non. Alors, ça se calme. Mais... faudrait que je vire ça, là. Oh là 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 là. Et ce rond-point, on sait toujours pas ce qu'on va foutre, hein, devant. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va foutre un truc. Bon, voilà. On arrive à quelque chose de potable, quoi. J'ai cru qu'on n'y arriverait jamais, ouais. J'y suis presque. Voilà. Donc ça, ce sera géré pour après. Oh, c'est stylé. Voilà, le littoral quoi. Pas de toute beauté ça? Petit tuto expropriation made in Necron, tu peux pas prolonger le pont au-dessus de la route aussi? Bah pff, ouais, mais en fait je trouve ça fait bizarre là de prolonger le pont là. Enfin ouais, mais c'est vrai que c'est chelou aussi là de faire pont tunnel. Mais je trouve ça bizarre d'avoir un pont qui passe par-dessus l'entrée d'un pont. Sachant que là, après, j'aimerais bien ici le faire tourner, ici. On va checker. Eh, on regagne du people. Eh ouais, ils sont tristes, ils ont rien. Au petit parc, bam. Là ils sont contents. Ici en termes de, ça se construit bof, hein. Ça se construit bof. Écoute. Les sorties d'autoroute, c'est des ponts au-dessus d'autres ponts. Ouais, mais je sais pas si ici j'en fais du coup ça peut être pas mal, tu vas me dire. Ah merde, espace déjà occupé. J'ai un problème de niveau en fait là. Du coup, on verra plus tard. On verra plus tard pour ce passage là. Puis. Ah voilà. Bon, il est l'heure de, je pense, de se débarrasser de toute cette eau. Là, il y a un trou ici. Qu'est-ce que c'est énervant. Ça fait option montagne russe. Ouais, mais c'est pas trop ce que je veux, tu vois. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux.
J'ai bien envie de tout détruire là. Bon écoute, on va se calmer sur la destruction pour le moment. On l'a dit qu'il faudra la virer. Et il va falloir qu'on développe du coup la ville par là. J'agrandis. Ici on pourra faire une gare pour inviter des gens. Inviter des gens. Là, j'ai vraiment un très gros problème en termes de d'employés parce que ici, en fait, le problème c'est que il faut des gens qui soient pas instruits pour travailler dans ces zones. Et ouais, mais or là, c'est du quoi? C'est du 3x3? 2x3? Pas grave si c'est tordu. Oui. 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 Pénurie de Goliot à Bourg-en-Bresse, on recrute. N'hésitez plus. Vous êtes Goliot, venez. Ah, mais c'est pas ça l'histoire, mais c'est... Non, mais c'est vrai que bon... Le truc, c'est on a besoin de... En fait, les gens qui sont... Après, quand ils sont qualifiés, ils viennent plus bosser dans le... Dans les industries, parce qu'en fait, ils ont des métiers qualifiés, quoi. Donc, c'est un peu chiant pour ça, quoi. C'est le seul truc, tu vois, que je regrette, c'est qu'il faut gérer ça. Alors, est-ce que c'est voulu? Oui, je pense. Mais c'est un peu le truc que je regrette, quoi. Ça pourrait se gérer tout seul parce que du coup tu dois avoir un endroit où les gens... Ah. Stop. Qu'est pas ça? Au niveau du chauffage, on a un problème. On ne chauffe plus assez. Chaufferie. Et là, ok, 80, 120. Et ça pollue vachement plus. Ouais, voilà. Ça pollue pas. Et voilà. Tada. Comment ça, il n'y a plus de chauffage? Ah, happy birthday. Un mort attend d'être transporté. Ah, bah voilà. Petit corbillard. Hop. Les déchets. Toujours un souci, un peu, ces déchets-là. Donc la solution, c'est soit on augmente le nombre d'usines d'incinération. Voilà. Alors, le prochain match est... Oh, mais il a eu lieu! On a raté! On a raté le match! Ça! Eh, en tout cas, on a regagné, quoi. Oh, on a raté le FC Bourg-en-Bresse. Merde! Ah, oh, je suis déçu. Ouais, je sais, tu peux faire cette tête de capa. Bon. Bon, soit donc on s'occupera de tout ça le prochain live, cette zone.
prochain live. Là, je regarde, on a que 5 mois. 5 mois à faire, c'est assez rapide. Là, notre lac s'épuise. Allez, moi je suis un ouf. Montée des eaux. Ça passe au-dessus ou pas? Wow, la digue. Ah non. Ah, la digue. Petite vague. Oh, c'est léger, les copains. C'était léger, oh, ouais. Ah là, là, je suis déçu. Merde. Bon bah, l'eau qui sera ici, elle pourra s'évacuer dans le lac là-bas. Mais l'eau qui est là, elle va s'engouffrer ici, je crois. Quoique non, le niveau est plus bas ici. En fait, il y a vraiment une cuvette à cette autoroute. Oh, je cherche quoi. C'est combien? C'est 32 000. Il manque encore 5 000 personnes pour... Est-ce qu'il y a des thugs? Alors eux ils essayent, ils se battent. Ah bah non, c'est fini. Serein. Option sensation forte, regarde ça. Wouhou! J'espère que t'as pris ton masque et ton tuba quoi. Oh là là. Ah ouais, du coup là vraiment il y a une cuvette quoi. La loose. En fait, ici, ça monte. Je vais faire ça, je pense. Allez, allez, allez. Intensité du pinceau. Ah voilà. Ah voilà, c'est beaucoup mieux ça. On peut jouer avec l'intensité du pinceau. C'est n'importe quoi ce qui se passe quoi. Ouais, je sais que ça va pas aider, mais... Pendant ce temps, l'autoroute.
Je sais que ça aide pas, mais merde quoi. Le problème c'est là, c'est vraiment c'est cette autoroute qui est dans un trou quoi. Voilà, donc là. Là, on va smousse. On va smousser le terrain. Donc. On va prendre cette hauteur-là. On va faire ça. Pinceau fort. Mais ces paysages extrêmement changeants même. Ouais. Ça va le faire, ça va le faire. Là, ce trou, on va le reboucher, mais ah, c'est la catastrophe, mais. Là, on prend ça, on prend ce pinceau, petit truc. Prendre quelle terre, on prend ça. Bon, ok. Maintenant, on affine. On adoucit, comme on dit. Easy boy. Voilà, ils vont être heureux là. C'est parti. Bloup bloup bloup, de l'eau qui sort. Là c'est tant pis, là du coup il y a un petit trou ici mais...
On est à 29 000, on avait gagné vachement de populace là. 30 000 presque. Ah là, ça va les calmer, hein. Bon. Peu usant, quoi. Peu usant, toutes ces merdes. C'est un peu usant. Ah, eh. Voilà. Eux, on leur fout des gens. Ils sont contents. Tu vois, il faut de tous pour ça, donc là on va voir. En fait, ici ça va se redévelopper, on va avoir un autre petit truc. Est-ce qu'on débloque une tuile à ce niveau-là? Ouais, ça va être pratique. Parce que là, je suis un peu serré. Faudrait cette tuile. Voilà. Ces gens vivent dans une cuvette. C'est incroyable. Eh. Plage. Plage, plage. Stylé. Plus 236, eh, ça augmente, il y a du monde qui s'installe. Des petits commerces, en veux-tu, en voilà, boum. Est-ce qu'ils ont de l'eau? Traitement des eaux usées. D'accord. Tac. Tac. Paf. Parfait. Électricité, on est bon. J'ai des éoliennes qui ne servent à rien d'ailleurs. Je pourrais les couper. Ça me coûte combien? 200 par semaine, ouais. Et ben c'est toujours ça d'économiser. Salut Spirit Wine. White. Wine. Vu que non, je bosse sur une application au boulot sur le vin et j'ai le mot wine partout, quoi. Salut, salut. Bienvenue. Donc on rappelle là. Donc on a le pont de G4K. Ici. Parce que Jay a fait son petit don hier. Donc on lui fait honneur. Le prochain match. Prochain match. Le 3 mai 2025. On est le 12 avril. Donc bientôt le match. Hein. Là regarde. C'est la billetterie ici. Là il y a du monde. Hein. Attention, attention. Eh oui, je suis développeur. Ouais. Ouais. Et attention, là, ça va se remplir dans un petit mois, même pas deux semaines. C'est rempli. Et au niveau de l'eau, bon, là, je sais pas quoi faire de cette eau, quoi. C'est relou, oh là là. Je sais vraiment pas trop quoi en faire, mais bon. Oh, c'est le Vietnam, là. On avance malgré tout, mais bon, ça me fait chier qu'il y ait ça. Puis cette autoroute là, c'est moche. Oh là là là. Enfin bref. Eh bref. Ah, bah merci. C'est sympa, Spirit White. White. Juste pour ça, putain. J'espère que c'est aussi un peu pour mon talent. Clin d'œil prononcé. Ok. Bon. À noter, n'empêche que la pollution ici, elle évacue. Parce qu'on a plus que ça et ça. Tac. Merci Spirit White pour le follow. C'est que du développement web enfoiré. 100k. Vous savez comment il est avec moi?
petit promontoire sur le rond-point. Voilà. Il y a moyen de faire un beau truc sur ce rond-point quand même. Full stack. Front et back du coup. Ouais, front et back. Je suis multitâche. Même si je suis un homme. N'est-ce pas? Je suis multitâche même si je suis un homme. Ça dépend encore, attention. Ah non, arrêtez, le front c'est génial. Je suis quand même plus une plus grande attirance pour le front, mais c'est bien le front, les gars. Ça va s'évacuer, c'est cette eau ou pas un jour? Je vais faire juste un petit trou pour ça, quoi. C'est déjà blindé d'eau. Je peux descendre encore? Ouais. Il y aura un trou. Trou d'eau. Ah ouais, de toute façon déjà en tant que développeur web, on est déjà souvent entendu comme des non-développeurs, tu vois. Ouais, vous savez pas coder. C'est du web. Ok. T'es là, bon, d'accord. Toi, tu fais quoi? T'es développeur aussi? Ah ouais, Angular. J'ai jamais... Si, j'ai touché un peu à Angular, mais c'est pas ce que je fais majoritairement. Angular, ouais, non, je touche beaucoup du truc maison dans la boîte où je suis, donc... Si, il y a une inondation, mais... Pff, regarde, il reste un peu d'eau, voilà, là, il y a un trou d'eau. Et voilà. En fait, j'explique pourquoi. Tu vois, là, il y a un canal ici qui fait le tour de cette petite zone. Et donc ici, il y aura une ville, etc. Machin truc, machin truc. J'ai connecté les deux canaux. Et comme dans Cities Skylines, la physique de l'eau est extrêmement bien faite. Bam, quand ça s'est entrechoqué, il y a eu toute l'eau qui s'est déversée ici. Parce que c'est une cuvette naturelle, là, ici. Donc... D'accord, alternant ingénieur info, stylé. Et du coup, donc toute l'eau qui s'est mise ici s'est répandue dans la ville. Bref, on a dû creuser ce trou pour se débarrasser de tout ça, et puis il en reste un peu, quoi. Moi, je trouve c'est bien, les gens, ils ont du sable chez eux, c'est cool, tu vois. Et du coup, ah mais donc t'es en 5 ingénieur, t'es en 5e année d'études, je suppose. Je sais pas ce qui va se passer là, mais ça a l'air ok. Hey hey, yolo J, yolo yolo. Oh, on est dans le mal niveau électricitat. Et ouais, déjà. Putain. Ça consomme tellement là, ces gens. Mais on a de la thune, on peut se permettre. Est-ce qu'on se fait une centrale géothermique? Ah non, ça produit pas beaucoup. Ça j'aimais bien moi. C'est un peu cheaté, je trouve quand même. Mais bon. Eux, il manque encore de personnes, donc on va leur ajouter juste une zone là. Mais sinon, en termes de commerce, on va foutre là une ligne et là ça. Hop. En août, de parfaire un semestre au Québec pour avoir un double diplôme en Big Data. Ah, stylé le Big Data. J'ai failli bosser aussi dans le Big Data et l'analyse de données.
Bon, il y aura de l'eau ici. Écoutez, c'est piscine naturelle, c'est pas grave. Ok, ouais, c'est stylé. Hein. Le big data, c'est stylé quand même. Tu peux faire des trucs. La data vise et tout. Moi, j'adore. Je trouve ça tellement kiffant. Oh, c'est tellement beau ça. La résidence, Olivier. Eh, look. Ça aussi, la résidence où? Mais on est con, on a raté encore le match de Bourg-en-Bresse. Non, match en cours. Allez, enfilez vos maillots, les gars. C'est parti, quoi. Allez, hop là. Attention, nous, on est les bleus, hein. Je rappelle. Laisse le trou. Non, c'est moche, le trou. Ok. Bon, là, il tire, mais on dirait une passe, quoi. Je crois que c'est toujours les mêmes animes. Mais bon, c'est pas grave, c'est pour le fun. On a l'impression d'y être, quoi. Regarde. Tout ce monde qui s'excite dans les tribunes. Oh là là, le tir. C'est pas mal rempli, hein. C'est pas mal rempli. Il y a combien de monde, là? 563 sur 750. Il y a un peu moins de monde. On baissera le prix du ticket. Et il a commencé quoi? Quand le... 5-3. Ah ouais, c'est clair. Ah le bleu, on est tous ensemble. Et ouais, allez les bleus, on est tous ensemble. Ouais. Ça va s'évacuer, regarde, c'est pas gênant. Ils pensent à prendre leur maillot quand ils vont ici au Pop Soda ou au Yakisuba. Ils prennent leur maillot, hop, voilà, problème réglé. Attends, t'as des tours, c'est des trucs blancs quoi. Ok, bon. Alors, j'ai dit qu'on s'occuperait de ça la prochaine fois, et on a besoin d'améliorer cette zone. Là, pour une ville de cette taille, je dirais... ah bah voilà, parfait. Regardez, on va couper le stream du coup sur ça. Là, pour une ville de cette taille, je dirais 6 ou 7 heures. 6 heures, 7 heures. Et encore, ouais, et puis c'est pas opti, quoi. C'est vraiment, je prends mon temps et... Tranquillement, quoi, mais... Ouais, c'est ça, tranquillement, quoi. Mais ouais, ouais, 7 heures, j'aurais dit. Faut cumuler, de toute façon, il y a les lives, il y a les rediffs après, mais je sais pas combien de temps, à peu près. Ok, bon, du coup... On passe l'objectif capital. On avait dit... On avait dit du coup qu'on voulait passer ça aujourd'hui. Ben voilà, objectif atteint. Malgré la quantité de tsunami assez incroyable. Du coup, on débloque une nouvelle tuile. Les services. Comment on appelle ça les bateaux ferroviaires. Non, mais non, c'est les trains, ça. Enfin bref, du coup, les bateaux. Et puis le port de marchandises. Une station épuration. Et donc voilà, donc malgré, donc petite save, paf, Bourg-en-Bresse, on rappelle, hein. Exactement, je forme des champions d'apnée, je crois que j'ai pas utilisé le Steam Cloud, voilà. Du coup voilà, donc ouais, malgré la création de ce canal qui a inondé ce quartier plusieurs fois, mais c'est une technique révolutionnaire qui vous fera devenir riche en quelques... en un mois seulement. non, donc voilà, on est pas mal. Donc là, vraiment, on a la ceinture. On le voit bien quand on est en mode genre électrique ou quoi. On a la ceinture de magasin, l'hypercentre, les petits quartiers résidentiels tout autour. Là, c'est la zone Indus. Ça va se développer petit à petit. Hein. Ici, on va rajouter des gens petit à petit. Et il y aura un dab de fin, comme d'hab. Il sera différent d'habitude, mais il y aura un dab. Ah! Et oui, il y aura un dab. Et du coup, voilà. Bon, toujours inondé là-bas. On verra la prochaine fois. On avancera sur d'autres trucs. Bourg-en-Bresse. Match en cours, toujours. Donc, prochain live. J'espère que vous serez là. On verra. Si jamais l'équipe du FC Bourg-en-Bresse a gagné, on aura le résultat la prochaine fois. Et en attendant, je vous laisse. Je vais vous laisser sur de belles petites images. J'aurai un petit dab de fin, bien sûr.
Alors. Tu utilises des thèmes différents pour les districts? Salut, Hellraise TV. Non, j'ai pas utilisé des thèmes. Désolé, je vais arrêter le live ici par contre. Mais non, j'utilise pas des thèmes différents pour les districts. Pour le moment, là, j'ai voulu vraiment. Parce que ça faisait vraiment très longtemps que j'avais pas joué à Cities Skylines. Et du coup, j'ai voulu m'y remettre tranquillement. Donc, j'ai pas installé trop de trucs. J'ai quelques assets à droite à gauche, des petits bâtiments à popper. Mais sinon, j'ai pas mis de thème de district. J'en ai téléchargé, je crois que j'ai Sud de la France. J'ai Europe du Nord et un truc d'Amérique aussi. Mais j'ai pas. Là, je les ai pas appliqués, je crois. Et j'ai l'extension Building High-Tech, je crois. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de buildings avec des lumières, quoi. Du coup, voilà. Donc, désolé. Enfin, désolé, c'est la fin du live, quoi. Et on se retrouve pour, j'ai envie de dire, de nouvelles aventures. La prochaine fois. Date de fin, c'est pour 100K. Fuel of the modern economy. The age-old Italian tradition of burning beans and drinking the bitter bean juice. At Burn Bean Coffee, our environment is perfect for all of your work needs. There's no better place to be distracted than the Burn Bean Coffee Shop and Cafe. Our coffee technicians are trained to make a variety of coffees and sugary coffee-themed drinks just as you like it. All while generally making more noise than anyone could reasonably ignore. So drink up and let the productivity flow. Sippy sip, coffee fans. Burn Bean Coffee. Get it while it's hot. Due to recent court actions, we are required to run against drinking hot coffee. My name is Penem Askinen, and I am very excited. We are now able to broadcast live to our former home planet, Earth, with just 24 minutes of cosmic delay.